ancien exemple que je leur ai apporté, c'est celui d'une pièce attribuée à John Bull qui s'appelle Why Ask You. Peut-être je vous joue juste le début. On est donc soit à la fin du XVIe, soit au début du XVIIe siècle. Et pour la deuxième partie de cette pièce, à la main droite, on a un exemple ici. Écrit une fois, on croche. Et dans plusieurs versions, on trouve la même chose, mais totalement liée. Ce qui crée aussi une certaine polyphonie, mais on peut plutôt parler de pédale des doigts. Donc je vous joue peut-être le passage avec la pédale. Voilà, c'est quand même très différent de... etc. Donc pour les clavecinistes, ce genre de motif, pour nous, c'est sous-entendu qu'on va tenir les notes parce que c'est documenté dans un grand nombre de pièces du répertoire et aussi dans un certain nombre de traités. Le jeu de base du clavecin, enfin dans la musique baroque, c'est un jeu plutôt détaché. On a beaucoup de témoignages là-dessus, par exemple chez Carl Philipp qui spécifie bien que si sur plusieurs notes on n'a aucune liaison ou aucun point, on va tenir les notes à la moitié de leur valeur. Néanmoins, les clavecinistes aimaient beaucoup produire une sorte de résonance, donc avoir un jeu extrêmement riche et varié. Donc pas seulement toujours sec ou pas seulement toujours résonnant, mais quelque chose de très varié. Alors, j'ai apporté aux étudiants aussi un exemple que j'aime beaucoup dans la musique de François Couperin, parce que François Couperin était toujours extrêmement précis dans la notation de sa musique, autant au niveau des agréments qu'il ajoute qu'au niveau des liaisons, des phrasés, etc. Si on regarde cette pièce qui s'appelle « Les longueurs tendres » du sixième ordre, si je vous joue... ici, la main gauche, juste la gauche. Etc. On voit bien, Couperin spécifie exactement ce qu'il veut tenir et ce qu'il veut lâcher. Mais chez un autre compositeur, on aurait très bien pu avoir tout simplement des croches. Les unes après les autres. Alors, je vous joue peut-être ce passage à deux mains. Là, on a vraiment un exemple de pédale des doigts et non pas de polyphonie. Peut-être qu'on peut observer aussi, grâce à ce très beau clavecin, que l'instrument lui-même a une sorte de résonance. Donc le cliché du clavecin sec ou le jeu clair, oui, peut-être, c'est vrai, mais en même temps, l'instrument a une sorte de richesse par lui-même. Encore chez François Couperin, Les Bergeries. Couperin écrit à la main gauche... ici, une basse avec des notes tenues. Si je mets les deux mains. Cette pièce, qui a paru en 1717, a été copiée par Anna Magdalena Bach dans son Klavierbüchlein en 1725. Et voilà comme elle copie la main gauche ici. «
donc sans aucune liaison. Certainement parce que c'est beaucoup plus compliqué d'écrire tout ça que d'écrire simplement à une voix. Mais vraisemblablement, elle jouait aussi un signe. Voilà. Maintenant, un autre exemple. Il s'agit des 8 suites de Handel qui ont été, je cite, mises dans une autre applicature pour la facilité de la main par Gottlieb Muffat. Handel fait paraître ses suites, ses fameuses 8 suites en 1720 et Muffat les copie en 1736 en ajoutant énormément d'agréments qui sont d'ailleurs très difficiles à jouer. Et il ajoute aussi énormément de liaisons. Alors, s'il ajoute des agréments ou des liaisons, ça n'est pas pour améliorer le texte de Handel, c'est plutôt d'un point de vue pédagogique pour le rendre plus clair. Tout le monde connaît cette passacaille. Dans un des couplets, on a, chez Handel, à la main gauche, etc. Et ensuite, à droite, voilà. Et Muffat crée vraiment une polyphonie. C'est ici. Donc là, on entend clairement les deux voix. Et à droite, avec des ornements. Et si je vous joue ensemble, Muffat crée vraiment une résonance et une polyphonie avec ses ajouts. L'idée, c'était de montrer aux étudiants que, même si dans le texte des tenues ne sont pas indiquées, on peut ou on doit les ajouter, tout simplement. Après, jusqu'où doit-on aller? Ça, c'est à chacun de résoudre la question, bien sûr. Pour justifier ces traditions de jeu lié, ou plutôt de jeu tenu, j'ai aussi apporté aux étudiants des exemples tirés de traités. Alors, il y en a énormément, je vous en livre juste quelques-uns. Par exemple, chez Rameau, il donne l'exemple d'un arpège avec une simple liaison. Et il spécifie bien que quand on a cette harmonie, avec la liaison, il faut tout tenir. Comme si c'était écrit ainsi. Saint Lambert, en 1702, parle du jeu lié sur des notes conjointes. Et il spécifie bien que si on a, avec une liaison, il faut tenir la première et la dernière note. Pas toutes les notes, bien sûr, parce qu'elles ne font pas partie de l'harmonie. Il donne aussi des exemples d'arpèges où on va tenir la première et la dernière note et pas celle du milieu ou tout tenir. Voilà, donc beaucoup de raffinements dans les tenues. On a même un exemple de surlié, si on peut s'exprimer ainsi. Chez Rameau, il fait en sorte, au lieu de simplement lier, de tenir le port de voix à peine plus longtemps et ensuite de soulever. Donc même dans un mouvement conjoint, on peut avoir des tenues. Je ne peux pas m'empêcher de vous donner un exemple de liaison chez Carl Philipp, le genre de tenue dont on n'aurait même pas osé rêver. Alors il donne cet exemple dans un mouvement rapide. Je ne vais peut-être pas jouer trop vite. Donc des tierces, et dans un mouvement rapide, on peut se permettre de tenir une des voix. Pour nous, ça équivaut à changer le texte
mais c'est vraiment ce qu'il demande. L'idée, c'est de rendre le texte intelligible, et l'idée, c'est dans un mouvement rapide de pouvoir faire ça plus facilement que... Il donne encore un autre exemple. Ceci peut être joué ainsi. Pour quelqu'un qui prône un jeu détaché, il va aussi très loin dans le jeu totalement lié et tenu. Peut-être que je peux citer juste une phrase de Carl Philipp qui parle de personnes qui ont un jeu collant, comme si elles avaient de la glu entre les doigts. Leur toucher est trop long car elles tiennent les notes plus qu'il ne faut. D'autres ont voulu s'améliorer et jouent les notes trop courtes, comme si les touches étaient brûlantes. L'effet est tout aussi mauvais. La voix du milieu est la meilleure. Je parle d'une façon générale. Tous les touchés sont bons s'ils sont employés au bon moment. »